Salut les gars, c'est Scotchman. Aujourd'hui, on va oser, José, on va oser manger du rognon de porc. Pour les rognons, ça va être très simple, il va falloir les rincer bien à la flotte avant. On va partir sur un gros bouillon. On va enchaîner avec une petite chapelure bien stylée. Je vais te faire une bonne sauce tartare, histoire de vraiment donner un maximum de goût à ces rognons. Tout de suite, on est type A. Grosse casserole, plein d'eau. On met toutes les petites épices, le vin, vinaigre, cassonade, les gousses d'ail, le verre de poireau et on va mettre le gros sel. Le rognon, on va le prendre comme ça. À l'intérieur, tu as une espèce de vieille membrane. On va venir longer la membrane et venir prendre que les petits bouts comme ça. Une belle escalope de rognon de porc. Tu les mets à dégorger sous l'eau froide pendant une dizaine de minutes. Le temps que ça dégorge et que le bouillon boue, je te propose de passer au toast qui vont te permettre de faire ta chapelure. Donc quelques morceaux dans le four à 180. Donc la panure à l'anglaise, bah, très simple. Des œufs. Moi, je vais y mettre un petit peu d'huile d'olive. J'aime bien. Je vais aussi mettre du poivre. Je vais venir mettre un petit peu de cumin dans mes œufs et un petit peu de cumin dans la farine aussi. J'ai ma panko et je vais venir écraser les toasts quand ils seront toastés. Une petite technique, je mets un chinois dedans et je vais venir mettre mes rognons dans le chinois. Et comme ça, quand ils seront cuits, je m'embêterai pas, j'aurai juste à récupérer le chinois. Tu vas cuire ça bien comme il faut, 3 minutes. Alors là, je les égoutte direct et je vais venir les rincer sous l'eau froide encore une fois. À l'aide de ce papier absorbant, je vais venir absorber toute cette humidité. On assaisonne un peu, fleur de sel, tout ça. Ensuite, je vais venir les badigeonner avec un pinceau et de la moutarde. On va venir les passer dans leur farine. Une fois que tu as pané une fois, tu repannes une deuxième fois. On s'est préparé une bonne sauce tartare. La mayo maison, les capres, les cornichons hachés, un peu de cerfeuil, de la ciboulette, du persil. Et tu me fais une bonne petite salade crudité là, avec de la tétragone, du fenouil émincé super fin et quelques oignons rouges. Sauce tartare en saucière. Rognon pané, sauce tartare, crudité en game de salade. Bon app mec ou bon app meuf.